Bonjour tout le monde, bienvenue chez Ellie, j'espère que vous allez bien. Ça bouge fort du côté de Poppy Playtime en ce moment. Le résumé du chapitre 3 est enfin sorti, et j'aimerais vous présenter rapidement mes premières réflexions avant la fameuse date du 30 septembre, qu'ils nous teasent dans leur dernière vidéo. Pour bien commencer, sachez qu'on a encore droit à un message codé, comme dans les résumés précédents. Je vous laisse voir la vidéo de Dr. Rock que je vous ai mis en lien si vous voulez vraiment une explication détaillée de la méthode de décryptage. Mais en résumé, ce code peut être converti en image. Cela donne un QR code, qui permet d'accéder au message suivant. Il suffit juste de le remettre dans le bon sens pour obtenir ceci, qu'il faut ensuite rajouter à toutes les phrases qu'on avait déjà trouvées dans le résumé des chapitres 1 et 2 pour terminer enfin notre petit poème. Petit poème qu'on pourrait approximativement traduire en français par « À pas feutrer et le souffle court, le sommeil se rapproche sur les chemins qui s'éclaircissent. Mais je n'ai pas peur de la mort car nous nous sommes déjà rencontrés. » Petite théorie, la dernière phrase qu'on trouve dans le résumé du chapitre 3, « Car nous nous sommes déjà rencontrés », fait directement référence à la mort. C'est ainsi que j'interprète la fin du poème en tout cas. Mais je n'ai pas peur de la mort car nous nous sommes déjà rencontrés. La personne qui nous parle affirme qu'elle n'a pas peur de la mort car elle a déjà été directement confrontée à elle. En théorie, on pourrait donc avoir affaire à une créature qui est revenue à la vie. Ce qui n'a rien de choquant dans l'univers de Poppy Playtime, étant donné que les scientifiques cherchaient justement à percer le secret de l'immortalité. Ils avaient même tenté de ressusciter un rat lors d'une expérience, en lui balançant une bonne décharge électrique après avoir immergé son cadavre dans une mixture gélatineuse chelou à base de pavot. A l'époque, cela n'avait pas fonctionné, donc le pauvre rat est resté raide mort, mais grâce à cette note, on sait que d'autres expériences ont probablement été menées sur des créatures plus grosses que des rats par la suite. Question, est-ce qu'il s'agit d'une créature qu'on a déjà croisée dans les chapitres précédents? Peut-être, mais pas forcément. Pas forcément parce que comme je le disais, la phrase « nous nous sommes déjà rencontrés » ne fait pas directement référence au joueur, mais à la mort, en tout cas à mon avis. Sinon, je ne vois pas bien le lien de cause à effet. Si un gars me dit « je n'ai pas peur de la mort parce que je l'ai déjà vaincu », je comprends. Par contre, s'il me dit « je n'ai pas peur de la mort parce que j'ai déjà rencontré le joueur », j'avoue que je ne comprends pas en quoi avoir rencontré le joueur lui permet de ne plus craindre la mort. Donc en vrai, on pourrait avoir affaire à une créature qu'on n'a pas encore croisée, mais qui devrait, je l'espère, nous permettre au moins d'en apprendre davantage sur cette histoire de résurrection. Cela étant dit, ce n'est pas parce que la fin du poème parle de la mort qu'on n'a jamais croisé la créature qui nous parle. Dans ce cas, il faut chercher parmi les bestiaux qui sont morts devant nos yeux au cours des chapitres précédents. Honnêtement, je ne vois strictement aucun rapport entre l'araignée de service et ce que nous raconte le poème. Donc perso, je vais l'éliminer de notre liste de suspects. En revanche, j'ai trois autres options intéressantes à vous présenter. De la plus évidente à la plus vicieuse. Et là, je dis attention, parce que je vais vous spoiler complètement la fin du chapitre 3. Pour ceux qui se sont pas enfuis pour rien entendre, l'option la plus simple pour moi, c'est Catnap. On retrouve l'idée du sommeil, du souffle qui est aussi intéressant vu qu'il crache de la fumée rouge. Le pas feutré, ça marche aussi avec lui. Après tout, c'est quelque chose qu'on dit souvent à propos des chats. Le coup des chemins qui s'éclaircissent, ça a peut-être un lien avec le puits de lumière dans lequel l'entraîne le prototype après sa mort. Oui, si on reste dans l'idée qu'on a déjà croisé la route de la créature qui nous parle, Catnap est une option assez évidente. En plus, on avait vu dans ma précédente théorie sur sa mort qu'il n'avait pas été puni par le prototype, mais récompensé par le prototype. Je dirais même appelé par le prototype dans le sens appelé par Dieu. Il ne faut pas oublier que Catnap a vraiment tout du fanatique religieux. Alors quand son dieu lui offre enfin l'immense honneur de le rejoindre, il s'offre à lui sans discuter. Reste encore à savoir si le prototype se l'est bien greffé sur lui pour le ramener à la vie. Dans ce cas, on devrait voir au moins le bout de son corps où se trouve Catnap dans le chapitre 4. Ça nous changera un peu de son bras. Ou si le prototype l'a ramené à la vie d'une autre manière. Un peu comme dans l'expérience avec le rat par exemple. Et dans ce cas, la version ressuscitée de Catnap devrait pouvoir se déplacer toute seule dans l'usine. À voir. Quoi qu'il en soit, même en admettant que ce poème nous tease le retour de Catnap, il y aura sans doute au moins un nouveau monstre à affronter, je pense. Deuxième option intéressante, on part dans l'idée que les développeurs cherchent un peu à nous feinter. Ils ont glissé des références au souffle et au sommeil, en sachant très bien que ça allait nous faire penser à Catnap. Mais il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. En vrai, ils préparent le retour d'un autre monstre dans le chapitre 4. Et dans ce cas, je dirais que Huggy est un très bon choix. On n'est pas sûr de ce qui est arrivé à son... C'est vraiment une expérience très populaire auprès de la communauté, et en plus, ils nous l'ont collé en gros sur une affiche récemment. On a même l'impression que ses jambes dessinent le chiffre 4 dessus. Encore après sa chute à la fin du chapitre 1. Donc c'est une option intéressante, si on est bien censé recroiser la route d'une créature qu'on a déjà affrontée, et que les développeurs filoutent un peu avec leur poème. Mais vous savez qui on pourrait retrouver dans le camp des ennemis si les développeurs étaient vraiment vicieux? Je veux dire vraiment très vicieux? Kissy. La charmante boule de poils rose qui a peut-être effectivement trouvé la mort à la fin du chapitre 3. Enfin, quand je dis charmante, elle peut quand même nous coller une belle raclée si l'envie lui en prend. Je trouverais ça intéressant pour l'histoire en fait. On s'est attaché à elle, en tout cas moi je la trouve chou. On s'inquiète pour elle depuis la scène de l'ascenseur et paf, on nous la remet dans les pattes en mode furax, suite à une manipulation du prototype pour la ramener à la vie par exemple.
Ça, c'est un retournement de situation qui susciterait pas mal d'émotions chez les joueurs. Pas mal de surprises aussi. Parce que là, je pense qu'on s'attend tous plus ou moins à affronter un nouveau Catnap ou Huggy dans le prochain chapitre. Mais bon, je la cite surtout parce que j'ai essayé de voir ce qu'ils pouvaient nous faire de plus vicieux avec leur poème. Car oui, parmi les différentes interprétations possibles, il y en a une qui pointe vers Kissy. À pas feutrés, le souffle court, le sommeil se rapproche sur les chemins qui s'éclaircissent. Ça peut faire référence à la créature qui a réussi à attaquer Kissy par surprise. À pas feutrés, le souffle court parce qu'il se rapprochait d'elle en faisant le moins de bruit possible, dans le but de la plonger dans le sommeil éternel, donc pour la tuer, au moment même où notre chemin s'éclaircissait effectivement, parce qu'on arrivait enfin à avancer. On avait remporté une grosse victoire sur le prototype, on se tirait du playcare sans avoir subi une seule perte, Oli nous avait même félicité pour notre victoire, on était tous réunis, on avait toutes nos chances de battre le boss final. Oui, on était pas mal, on avait enfin droit à notre petit rayon de soleil au milieu de toutes ces noirceurs. Mais je n'ai pas peur de la mort, car nous nous sommes déjà rencontrés. L'être humain qui a servi à créer Kissy est déjà mort une fois, d'une certaine manière. Elle ne craint pas de mourir une nouvelle fois, car elle reviendra encore à la vie. Oui, ça pourrait vraiment faire référence à Kissy, en vrai. En ce cas, est-ce qu'elle pourrait revenir tout en restant gentille avec nous? Dans l'absolu, c'est possible. Mais personnellement, je pense que ce serait moins intéressant pour l'histoire. Surtout dans le cadre d'un jeu d'horreur. En plus, ils ont commencé à nous montrer que Kissy pouvait être dangereuse et violente elle aussi durant le chapitre 3. Que ce soit à travers la vidéo de The Hour of Joy ou durant cette scène où elle a deux doigts de nous défoncer. Après nous avoir montré tout ça, je trouverais ça étrange qu'elle n'exploite pas plus le côté sombre de notre adorable peluche rose. Mais ce n'est qu'un avis personnel, bien sûr. En tout cas, je pense que ces trois-là sont nos meilleurs suspects pour le poème. Si on reste dans l'optique, on nous parle d'une créature qu'on a déjà croisée. Et vous, vous avez une préférence pour qui? L'option la plus évidente? L'option la plus vicieuse? L'option semi-croustillante? À moins que vous ayez encore une autre manière d'interpréter ce poème. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, s'il vous plaît. En attendant, j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Autre point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, le joueur. Cela fait déjà un moment que je dis qu'on a quelque chose de spécial, et ce point a été confirmé par le narrateur dans le résumé du chapitre 3. But, in a corner, sometimes we reveal ourselves as something more. And our intruder, there's something special indeed. On a un petit truc en plus, quelque chose qui nous rend spécial, quelque chose qui nous rend même parfait aux yeux de Poppy. Quelque chose qui explique pourquoi on arrive à défoncer tous les tests de capacité du chapitre 2 en mode hardcore, et qui nous permet également d'éliminer tous les monstres qu'on croise, alors que chacun d'entre eux est capable de battre plusieurs humains en même temps à lui tout seul. Au passage, le narrateur nous a aussi confirmé qu'on était un ex-employé dans le résumé du chapitre 2. Mais Long Legs nous l'avait déjà dit assez clairement au cours de jeu, donc c'est pas une grosse révélation. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ce côté spécial sur lequel insiste le narrateur. Pour le moment, on nous a pas expliqué clairement ce qui rend le joueur différent des autres. Mais personnellement, je suis toujours dans l'idée qu'il a pu subir une expérience. Une expérience qui lui a permis de conserver son apparence humaine, a priori, mais qui a quand même changé quelque chose en lui. Dans ce cas, reste à savoir si on faisait partie de l'équipe scientifique, ou si on était juste un petit employé qui s'est retrouvé à jouer les rats de laboratoire pour une raison ou pour une autre. Là-dessus, je trouve que les données du jeu sont un peu contradictoires. D'un côté, on a Mommy qui nous dit clairement qu'on mérite de mourir. They left Mommy to die alone. Mommy didn't deserve that. But you worked here. So if anyone deserves to die alone, it's you. Et on a aussi Catnap qui nous balance une hallucination dans la tête en mode tu devrais te sentir coupable. And should you come back? Years later, your conscience finally getting the better of you. May you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors, each hungry for your return, each eager that they might find you. Perhaps they'd smile at you from a shadow, their smiling mouths full of teeth and meat. And plastic, watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you'd left, a world that's theirs now. Welcome home. Ouais, mais de l'autre, on a aussi Poppy qui arrête Kissimissi en lui disant qu'on n'a rien fait de mal. La situation est un peu tendue,
Mommy et Katna peuvent en vouloir au joueur parce qu'il a effectivement commis des horreurs dans le passé. Mais ils peuvent aussi lui en vouloir à mort tout simplement parce qu'il faisait partie des employés. Il ne faut pas oublier que beaucoup de monstres font pas la distinction entre les employés qui savaient ce qui se passait et les employés innocents. C'est pour ça qu'ils ont massacré tout le monde quand ils se sont révoltés. Les scientifiques, les femmes de ménage, les mecs qui servaient la bouffe à la cantine, tout ça c'était du pareil au même pour eux. Ils ont tous fini en kebab. Dans le même ordre d'idée, je ne sais pas vraiment quoi penser de ce que dit Poppy. Quand elle dit que le joueur n'a rien fait de mal et que Kissy doit le laisser tranquille, elle peut être en train de dire la vérité en fait. Mais d'un autre côté, on sait qu'elle est capable de trahir ses alliés pour défendre ses propres intérêts. Elle a besoin de nous. Kissy était sur le point de nous décapsuler la tête. Peut-être qu'elle ment à Kissy pour la persuader de nous lâcher, tout simplement. Bref, je reste dans l'idée que le joueur a subi une expérience pour expliquer son côté spécial. Par contre, le poste qu'il occupait à l'usine n'est pas encore très clair. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il ou elle, car on ne sait toujours pas si on joue un homme ou une femme en vrai, devait fréquenter régulièrement l'orphelinat et ses environs. Ce qui explique pourquoi certains monstres, comme Izzy Light, qui ne devait pourtant pas trop quitter l'école, parviennent à le reconnaître. Cela pourrait aussi expliquer cette espèce de flashback provoqué par la fumée rouge de Catnap, où on se revoit auprès des enfants. Est-ce que ça veut dire que le joueur était forcément un sale type au courant de tout ? Non, pas forcément. On a vu des braves gens travailler au sein de l'orphelinat, comme Miss Harper, qui n'appréciait pas du tout les cauchemars que la fumée rouge de Catnap provoquait chez les enfants. That would not be advised, Miss Harper. There are many concerns we must address at this time. But vitals show normal, and we'll continue to monitor. She'll be okay. No! Well, pardon me if I'm not comforted by that! Just bring my little girl back to me! Ou même le brave Rich qui fréquentait l'orphelinat quand il effectuait ses livraisons, même s'il n'avait pas le droit de parler aux gosses. I take it you're not a fan of these plays, are you? Nope, never liked the feel of it. I mean, don't you think these kids deserve some real sunlight instead of floodlights and painted skies? Hell, we're not even allowed to talk to these kids! D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, s'il vous plaît. Vous pensez que le joueur ou la joueuse était plutôt du côté des forces du mal ou des forces du bien à l'origine? Dans un cas comme dans l'autre, est-ce que sa mémoire a pu être altérée? Moi, je vous avoue que je travaille pas mal cette idée depuis la séquence du flashback. J'ai l'impression qu'elle nous dit que la personne qu'on incarne était là durant la révolte en réalité, qu'elle s'est fait choper par le prototype, et qu'elle ne se souvient plus trop de ce qui s'est passé. En attendant de vous lire, j'aimerais aussi vous donner mon avis sur le narrateur. À la base, j'hésitais entre deux options. La première, c'était le Dr Sawyer, car la voix du narrateur m'a vraiment l'air d'être la sienne. La seconde, c'était le prototype qui imitait Sawyer, car on a vu qu'il pouvait changer sa voix durant le chapitre 3. Mais après avoir vu les résumés du chapitre 2 et 3, je penche nettement en faveur du vrai Sawyer. Je dis ça pour deux raisons. La première, c'est qu'il parle du prototype comme s'il s'agissait d'une autre personne durant le résumé du chapitre 2, quand il parle de la mort de notre grosse araignée rose préférée. What's left of her is his now. La seconde raison, c'est qu'il dit « nous » en parlant des êtres humains durant le résumé du chapitre 3, ce qui sous-entend qu'il se considère lui-même comme un être humain. Ok, c'est vrai qu'il commence par dire « les humains sont faibles, blablabla », mais il finit bien sa tirade en disant « nous », en s'incluant dans le genre humain. Entre ça et le fait qu'il parle du prototype comme s'il s'agissait d'une autre personne, je penche pour Sawyer. « The human mind is fascinating. Each wants to believe in its own sense of significance. Many live their whole life in ignorance of the truth. That's really... they're weak. But, in a corner, sometimes we reveal ourselves as something more. » À la fin du résumé, on voit qu'il était en train de nous observer dans une sorte de poste de contrôle. On en avait croisé un dans la gare du troisième chapitre, donc je suis allé vérifier au cas où. Mais a priori, c'est pas le même endroit. Le look des écrans de contrôle ne correspond pas vraiment, et en plus, je n'ai pas retrouvé cette petite phrase qu'on peut voir au-dessus d'un écran dans le résumé. Ça veut dire qu'il nous observait depuis un autre poste de contrôle. La question c'est, est-ce que ce poste est dans l'usine ou non? Et s'il se trouve dans l'usine, comment se fait-il que Sawyer puisse être ici avec nous? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il a l'air de se réjouir à l'idée de nous voir mourir? Which brings us to now, doesn't it? Down they come, like lambs to the slaughter. Clairement, le gars, il nous veut pas du bien. Il sait que c'est dangereux en bas et il est ravi qu'on y aille. Mais pour comprendre pourquoi, il faudrait sans doute en savoir un peu plus sur le Dr Sawyer. À l'heure actuelle, on sait que c'est une vraie saleté. C'est lui qui a lancé le projet Bigger Bodies et il a fait preuve d'un sadisme certain à plusieurs reprises, notamment durant ses expériences sur le prototype. On sait aussi qu'il a dû s'absenter à un moment. Normally, I'd have Dr Sawyer do this, but he's
out, let's say. So you got me until they find his replacement. On ne sait pas vraiment pourquoi il est parti, mais ce passage m'intéresse énormément, parce que je ne pense pas qu'on nous en parlerait si ce n'était pas important. Pour le moment, je soupçonne un problème interne, du type coup bas ou trahison pour prendre sa place par exemple, parce qu'il occupait quand même un poste important. Je pense à ça parce que le narrateur parle plusieurs fois de trahison durant les résumés. La première fois est liée à Poppy. It has long been the custom of those who call this factory home to use others for personal gain, to stab them in the back. I'm certain it came to Poppy naturally. Oui, on s'était rendu compte tout seul que Poppy nous avait trahis dans le train. Mais le narrateur sous-entend que c'est quelque chose de naturel chez elle. Car tous ceux qui considéraient autrefois l'usine comme leur maison avaient une légère tendance à poignarder les autres dans le dos. Il fait aussi une réflexion intéressante autour de la confiance, qui peut facilement être brisée, et des réactions que peuvent avoir les personnes qui ont été trahies. Trust is a funny thing. It can often be earned or broken in but an instant. But what we make of those who've broken that trust is a very individual viewpoint. À se demander si le docteur n'a pas été trahi lui-même à un moment ou un autre. À méditer. En attendant, je trouve que le thème de la trahison est très présent dans ces résumés, donc je m'attends à le retrouver d'une manière ou d'une autre durant le chapitre 4. Cela peut être lié à l'histoire de Sawyer, qui serait intéressant de mieux connaître. Ça peut aussi être lié au passé de Poppy, qui a pu déjà trahir d'autres gens par le passé. Ou peut-être même à Holly, ce cher Holly que le narrateur trouve particulièrement exaspérant. This is where they encounter a most infuriating ally. Comme on l'a vu dans une autre théorie, il y a une possibilité pour que Holly et le prototype soient une seule et même personne. Même s'il existe bien sûr d'autres pistes intéressantes, qu'on a d'ailleurs également évoquées dans cette vidéo. En attendant, le fait que le docteur n'apprécie pas Holly, ça peut aller avec cette théorie. Après tout, le docteur et le prototype sont ennemis. Mais il y a aussi un autre petit passage intéressant que j'aimerais vous faire écouter. The red smoke. To our guest, not all was told. But to leave, they had to redirect the gas. Ça sous-entend qu'Holly ne nous a pas tout dit concernant le gaz rouge. Mais est-ce qu'il a simplement oublié de nous dire certaines choses? Ou est-ce qu'il nous a volontairement caché un truc important pour nous tromper? Welcome to the gas production zone. The beating heart of the whole evil play care system. All that gas you see coming from the machine is made right here in the factory. It's called the red smoke. Right now, it's all headed off to the right. Red smoke go left instead. That's how we can get to him. The machine will probably have a few dumb safeguards for you to work around, but I think you can do it. I'll call you once it's done. Est-ce qu'on a vraiment bien fait de transférer le gaz vers la gauche, ou est-ce qu'il nous a demandé de faire ça pour une raison plus obscure? Parce que pour l'instant, j'avoue que je vois pas bien en quoi transférer le gaz d'une bonbonne à l'autre va nous permettre de nous rapprocher du prototype. Tout ce que j'espère, c'est qu'on n'a pas fait un truc stupide, du type permettre au prototype de libérer le gaz à l'extérieur de l'usine. Enfin, j'imagine qu'on aura bientôt la réponse. En attendant, j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve pour la date du 30 septembre qui nous tease à la fin du dernier résumé. Une vidéo cachée? Une première bande-annonce pour le chapitre 4 de Poppy Playtime? Je serais vraiment surprise d'en avoir une aussitôt, perso. Je penche plutôt pour le vrai début de l'ARG, avec un site caché et des fichiers à trouver qui nous en apprendront plus sur les personnages. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, s'il vous plaît. En attendant de vous lire, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. Je remercie aussi tous ceux et celles qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre pour cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles théories. Bye bye!